y avait la place ce soir? Il y avait énormément de place ce soir. Voilà. Sur la première, bon, on fait un début de match où on est un peu, pas en dedans, mais un peu attentiste. Voilà, on encaisse au premier but. Après, je pense qu'on a une bonne réaction. Voilà, on pousse bien, on revient fort logiquement. Après, sur la première, là où j'ai des regrets, où on a des regrets, c'est qu'on a eu beaucoup de situations de contre-attaque. Et on les a très mal jouées. Voilà, donc, et après, sur la deuxième, bah, voilà, on savait que le Garbic avait une bonne frappe. Et voilà, on l'a laissé un peu. On lui a laissé 2-3 mètres et voilà, ça a suffi pour qu'il nous plante ce deuxième but. Juste avant, il y a une occasion énorme de prendre l'avantage. Le Havre, les choses auraient pu basculer de votre côté, comme disait Paul Le Guen, il y a du déchet technique et d'efficacité qui gâche sûrement quelque chose, même une victoire ce soir carrément. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y avait énormément de passes pour prendre les 3 points. Et voilà, comme j'ai dit, c'est ce dernier geste-là, cette petite passe pour le coéquipier ou la frappe qui passe juste à côté. Après, leur gardien aussi a été bon aussi. Donc c'est vrai que ce soir, beaucoup de déceptions car je pense qu'on aurait pu repartir avec les 3 points. C'est une rechute fâcheuse, c'est un accident. C'est comment, même sur l'impact que ça peut avoir avant le match de la semaine prochaine? De toute façon, une défaite, c'est toujours négatif. Hein. Après, on verra la vidéo, on va rechecker tout ça. Mais à chaud comme ça, je ne peux pas dire que c'est... Bien sûr, une défaite, c'est négatif, mais voilà. On va prendre le temps de digérer la défaite et puis on en discutera et puis on préparera le match la semaine prochaine. C'est dommage parce que ce soir, il y a beaucoup de regrets. Beaucoup, beaucoup.